chers auditeurs de Stepline Radio, je suis donc avec Yoni Garnier, entraîneur du club Alpha. Et à l'occasion de l'organisation d'un gala qui se déroulera le 25 novembre à la salle des Richardières à Aigrefeuille, à cette occasion, je me permets de l'interviewer pour les auditeurs de Stepline Radio. Par qui ce gala est organisé, Yoni ? Ce gala est organisé par le club Alpha qui se situe à Aigrefeuille-sur-Maine, qui a déjà organisé un grand gala pour les 30 ans du club, il y a déjà 10 ans. Mais c'était seulement pour la lutte avec le Japon, la France, la Hongrie et la Pologne. Le club Alpha, c'est pas seulement un club de lutte, c'est aussi un club de musculation, fitness, zumba, puis donc les sports de combat, lutte, grappling fight, avec qui on a eu pas mal de résultats déjà depuis quelques années, avec Valentine François qui a été championne de France plusieurs fois, Franck Lapendry en vétéran, et de nombreuses places avec Ryan Coulon, Stéphane Mougin, Sandy Boudet, Emma Ligonnière. Et depuis cette année, dans le grappling fight aussi, où on a eu deux vice-champions de France, un en cadet, un en junior, avec Geoffrey Romain et Rousseau Marius, et deux places en senior, avec encore Franck Lapendry, qui a fait double champion de France cette année en lutte libre et lutte gréco, donc qui est troisième aussi en grappling fight, et moi-même qui est aussi troisième au championnat de France grappling fight. Merci Yodi. Et le gala donc représentera quelle discipline ? Qui aura plusieurs disciplines. Ça fait partie de la FFL, de la Fédération Française de Lutte, et il y a maintenant les disciplines associées. Il y a le grappling fight, le sambo. Nous, pour le gala, il y aura la lutte, mais il y aura que de la lutte libre, pas de gréco-romaine, c'est-à-dire qu'on a droit de travailler sur les jambes et le haut du corps, et le but c'est soit de gagner au point ou par tomber. Le grappling fight, c'est un mélange de pied-point, de lutte qui sert souvent à amener son adversaire au sol, et le grappling pour soumettre son adversaire par une clé ou un étranglement, voilà quoi. Et il y aura aussi le grappling G ou no G. Le grappling G, c'est avec kimono qui ressemble un peu au JJB, et le no G qui sera avec un t-shirt moulin et un short. Qui sera présent à ce gala du 25 novembre ? Il y aura à peu près 34 combattants, ce qui fait 17 combats. Des durées de 5 à 10 minutes, tout dépendra s'ils sont intermédiaires, confirmés ou débutants. Donc il y aura quelques membres de l'équipe de France de grappling, en plus qui viennent juste de représenter la France au championnat du monde à Bakou, comme Clément Chacon ou Mohamed Bayot qui sont revenus avec un podium, sans oublier les autres, mais je ne vais pas tous non plus les citer. Plusieurs clubs des Pays de Loire qui seront représentés, comme le Battling Club, l'Académie Pythagore et Ratel de Angers. Il y a l'UFT, le Fight Club Brévinois et le Club de Lutte de Valette aussi. Et le Club Alpha qui sera représenté par 4 de ses combattants, que j'ai à peu près nommé tout à l'heure mais que je vais renommer, qui sera Geoffrey Romain qui est vice-champion de France de grappling fight en 92 kilos. Coulon Ryan, 5e au championnat de France de lutte libre en cadet. Primo Florian qui fera son premier combat en grappling fight. Et Benzekri Nassim qui reprend la lutte après un arrêt total de 2 ans. Nos jeunes lutteurs aussi de 4 à 12 ans qui feront une petite démo de lutte et de grappling fight lors des entractes, avec aussi des démos de reggaeton. D'accord. Et pour ceux qui veulent venir pour ce gala du 25 novembre qui, je le rappelle, aura lieu au Richardière à Aigrefeuille, à 15 minutes au sud de Nantes, peux-tu me donner les horaires et puis le lieu, enfin tout ce qui concerne ce gala pour la venue des visiteurs? Donc oui, comme on vient de le préciser, celui-ci se trouve à Aigrefeuille. Ça sera au complexe sportif des Richardières au niveau de la salle de basket. Ça débutera à 14h, le premier combat. Les combattants, eux, arriveront avant, vu qu'il y a une pesée, faut regarder les licences. Début des combats, 14h, en grappling fight, ça sera le premier combat, avec un premier représentant du club Alpha, Florian Primo, en moins de 84 kilos. Il y aura, comme je vous disais tout à l'heure, des combats en débutant, intermédiaire et confirmé, de 62 kilos à 100 kilos. Ça commence par le grappling fight, mais tout de suite après, il y aura de la lutte, du grappling, tout sera mélangé. De nombreux sponsors nous ont aidés, d'ailleurs, pour l'organisation de ce gala. Aigrefeuille, il y a le salon du soin, mille et une couleurs, le gourmand kebab, le salon de tatouage qui vient juste d'ouvrir, le 7e ciel à Aigrefeuille aussi, 10 Atlantique, les films du masque, la boulangerie pâtisserie, le grenier du Tamelier, Main Optique, peinture Drouet, Sécuritest d'Aigrefeuille. Sinon, il y a aussi Wanted Expert en froid et cuisine de Saint-Hilaire-de-Loulay et le selfie board jardin d'images qui vient de la planche. Nous avons aussi l'honneur d'avoir ce jour-là le speaker David Alexandre qui va mettre l'ambiance pendant ce gala.
gala. Ce qu'il faut bien penser aussi, c'est que l'entrée sera gratuite pour tous. Enfants, adultes, rien ne sera payant pour l'entrée, bien sûr. Sinon, il y aura un bar qui sera mis à votre disposition. Mais pour finir, moi, je voulais aussi remercier tous les bénévoles qui m'ont aidé à mettre ce gala en place. Et je remercie d'avance les futurs bénévoles qui seront présents pour la mise en place de ce gala. Voilà. J'invite tous les auditeurs de Stéphane Radio à venir à ce rendez-vous. Je vous le rappelle, le 25 novembre 2017, le rendez-vous, c'est 14h, salle des Richardières à Aigrefeuille-sur-Maine. Merci. Merci beaucoup. Come on, galvanize.